exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Bonjour chers amis, toujours sur le bateau, donc un petit peu dans l'esprit des vidéos que fait la chaîne Est-ce que ce monde est sérieux, je vais vous présenter un petit peu une petite annexe sur le bateau et en particulier sur la sécurité sur le bateau, donc la préparation éventuellement en cas de problème. Donc voilà, vous avez sous les yeux l'outil de base de la prévention sur le bateau, le gilet de sauvetage, bien entendu obligatoire. Est présent dans chaque cabine par rapport au nombre d'habitants dans cette cabine justement. Il y en a des spéciaux pour les enfants. Assez classique, donc de forte épaisseur hein, pour pouvoir bien flotter. Des éléments réfléchissant la lumière, hein, au cas où il se fasse sombre, voire nuit. Deux éléments ici intéressants qu'on retrouve, le sifflet. Hein. Donc on l'a dans la verte, on l'a en randonnée, on l'a aussi dans l'eau. Bien entendu, sifflet de base. Voilà, attaché. Pour ne pas le perdre, mais pour se signaler si on est dans l'eau, évidemment, c'est très très intéressant. Voilà pourquoi aussi moi j'avais pris le mien de sifflet. Un élément ici intéressant, c'est un élément automatique. Donc il a deux positions, hein, arrêt ou automatique. Ils sont toujours sur automatique. Quand il rentre en contact avec l'eau, il se met à clignoter. Donc ça, c'est quand on manque de lumière, etc., pour être visible d'un petit peu plus loin. Sachant que l'eau, en particulier la nuit, c'est très très foncé, voire très noir, vous êtes immédiatement visible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous avez ici un élément correspondant à une référence, c'est la lettre E en fait, par rapport au chemin de sortie et le point de rassemblement. Voilà, le point de rassemblement plutôt pour être plus précis. Sur le bateau, voilà, donc c'est une lettre qui a son importance et qui est visible sur tous les gilets. Donc chacun, en fonction de son emplacement et de où on va être, par où on doit être évacué, la lettre peut être différente. Hein. Donc je rappelle qu'il y a des conditions internationales de sécurité pour les bateaux de croisière qui sont vous devez, dans la journée dans laquelle vous êtes parti du port, la première journée, vous êtes obligé de faire un exercice de sécurité, donc alarme du bateau et rassemblement pour éventuellement évacuation. Alors c'est pas chaque fois qu'il y a une alarme forcément une évacuation, mais voilà, l'idée c'est de connaître, de savoir mettre un gilet de sauvetage, c'est assez simple, et puis de suivre les consignes et de voir le point de rassemblement et où est-ce qu'il faut aller. Voilà, donc vous avez différents éléments de sécurité dans la cabine. On va avoir ici par exemple un petit logo pour dire qu'il peut y avoir des gilets sous le canapé là, voilà. Ensuite vous avez ici je sais pas comment on peut appeler ça, un panneau, voilà, on va appeler ça un panneau, où on va retrouver ici la lettre E, d'accord, qui indique effectivement ce qu'il faut faire. Et vous avez ici le plan du bateau. Hop, avec une petite mise au point, ça ira mieux. Avec les points de rassemblement AG, EF, alors EF, CD, etc. et AB, bien entendu. Sachant que ce côté-ci, c'est le côté droit du bateau. Quand on est dans cette position-là, quand on regarde la pointe du bateau, les autres lettres sont de l'autre côté, côté gauche. Hein, ouais. Je suis bête, c'est marqué ici. Voilà, donc c'est fait par des gens intelligents. Voilà, donc moi, par exemple, mon point de rassemblement, il est ici. Donc ça, c'est le pont. Il n'y a qu'un seul pont, c'est le pont 4. Où se trouvent tous les bateaux de sécurité que vous verrez en extérieur qui sont en rang, les chaloupes. Hein. Je vous ai fait des petites images, vous verrez. Et voilà, donc vous avez la notice complète. On vous explique comment mettre un gilet de sauvetage en 1, 2, 3, 4, 5 langues. Voilà, hein, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers sur le bateau, y compris des Chinois d'ailleurs. Voilà, donc on vous explique les stations, par où il faut passer. On vous donne même ici, par rapport à ma cabine, le chemin de sortie avec un escalier de secours pour me rendre le plus rapidement possible, un deuxième éventuellement par ici, avec les escaliers là,
petits escaliers là, pour me rendre le plus rapidement possible sur le pont numéro 4, sachant que moi je suis sur le numéro 6. Voilà. Donc c'est complet, c'est obligatoire. Je vous rappelle qu'il y a eu des. Il y est quand même passé un certain nombre, de petites choses sur les bateaux de croisière. Hein, c'est, pour ne pas la citer, on est juste sur un bateau Costa. Donc vous avez le Costa Concordia qui a sombré, hein, malheureusement, qui a fait 30 de morts, je crois. Bon, c'est quand même un bateau où il y a à peu près 3500 à 3800 passagers et 1200 hommes d'équipage. Donc ça fait 5000 personnes à bord. Donc il faut avoir quand même une démarche un petit peu rigoureuse. Et vous verrez, je vous ai fait quelques photos que je vous joindrai. Ce sont des monstres, hein. Des bateaux qui font 300 mètres de long. C'est vraiment une ville, hein. Je vous dis, il y a 5000 personnes qui vivent en autarcie complète pendant plusieurs jours sans problème sur un bateau de cette taille-là. Mais malgré tout, on n'est pas exempt de problème, surtout quand finalement c'est surtout l'homme qui fait des conneries. Donc voilà, celui-là, moi j'ai navigué sur Concordia, hein, donc ça fait un peu de peine, en plus bien entendu de ces personnes décédées, de voir un si beau bateau sombrer comme ça par la connerie humaine. Mais voilà, la preuve est que même sur des bateaux comme ça, on peut se sentir extrêmement en sécurité. Il peut quand même y avoir des problèmes. L'intérêt aussi d'avoir une lampe sur soi, c'est qu'il y a 2-3 ans en arrière, ils ont eu un autre bateau, Costa, ils n'ont pas trop eu de chance. Mais c'était beaucoup moins grave, qu'il y a eu une grosse panne de générateur, ce qui a fait que pendant 3 jours, les passagers du bateau n'ont plus d'électricité, ni la clim. Alors il faisait très chaud, alors évidemment c'était la clim le plus gênant, mais il n'y avait non plus pas de lumière quand même. Donc, sachant qu'il y a des cabines en interne où il n'y a ni fenêtre, ni balcon, comme moi j'ai ici, ça peut être quand même très très emmerdant. Voilà. Donc voilà, je vais vous joindre quelques photos. Un petit bout de film que j'ai fait lors de l'exercice d'évacuation, vous verrez un petit peu comment s'organiser, c'est pas mal. Et les gens du bord vérifient que tout le monde le pratique, hein. C'est vraiment obligatoire. Et suite à l'incendie, au problème, à l'accident qu'il y a eu avec le Concordia, ils sont devenus extrêmement rigoureux là-dessus, donc c'est important. Voilà, donc je vais vous joindre quelques images, et puis je vous reprends après. Non mais 3 et 2, 5, et là ils en ont 2, 5. Mark the end of the drill. Please remain at your muster stations patiently. Be in quietly whilst this announcement is read in other languages. Okay. Même une vidéo sur la sécurité qui est pas mal faite et qui est en français surtout et dans toutes les langues. Des cabines commence à la proue et augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la poupe. Les cabines paires se trouvent du côté gauche et les cabines impaires du côté droit. Pour savoir sur quel pont vous vous trouvez, lisez les indications ou consultez les plaquettes signalétiques. Prenez connaissance du manuel que vous trouverez dans votre cabine. Un manuel supplémentaire de sécurité qui est effectivement dans les cabines. En plus, en 12 ou 17 langues, je ne sais plus. Et le signal d'alarme général. Ce signal consiste en 7 coups brefs de sirène suivis d'un coup long. Ce n'est pas le signal d'abandon du navire. Il signifie qu'il faut rallier les points de rassemblement. Mémorisez votre point de rassemblement. Il est indiqué clairement sur votre gilet de sauvetage et derrière la porte de votre cabine,
où figure également le parcours pour s'y rendre. Voilà le pont d'évacuation avec toutes les chaloupes. Rendez-vous dès que possible à votre point de rassemblement et vérifiez le parcours depuis votre cabine. Ah, le pont numéro 4. Les plaquettes signalétiques de couleur verte situées partout dans le navire vous y aideront. Fonctionne toujours, même en cas de coupure d'électricité. Enfilez des vêtements chauds, les chaussures fermées et emportez vos médicaments habituels. Enfilez votre gilet de sauvetage. Suivez attentivement la démonstration. Soulevez votre gilet de sauvetage et enfilez. Suivez les instructions du personnel qui donnera la priorité aux femmes et aux enfants et fera monter les personnes handicapées en dernier afin d'en faciliter l'embarquement et le débarquement. Veillez à ne pas perdre l'équilibre en montant à bord. Asseyez-vous immédiatement à la place que l'on vous indiquera. Toutes les opérations d'abandon du navire sont coordonnées par le commandant de bord. Une fois pleines, les chaloupes seront descendues à la mer. Elles resteront à proximité en attendant les secours organisés par le service de garde-côte mondial. Les embarcations de sauvetage disposent de plusieurs jours de réserve de nourriture et d'eau pour tous les occupants. De plus, elles sont équipées de fusées et de dispositifs permettant d'améliorer la visibilité pour les secours. Le navire dispose d'un nombre suffisant de chaloupes pour embarquer tous les passagers. Il existe également des radeaux gonflables. Les phases d'urgence sont gérées par un personnel qualifié. L'ensemble de l'équipage suit régulièrement des cours de formation hautement spécialisés. Ouais, je vous épargne le reste de la vidéo qui va nous parler aussi un petit peu d'incendie qui est le risque le plus important sur le bateau. Mais bon, ils ont des équipes qui sont formées pour. Voilà. Donc sans être en aucun cas dramatique ou vouloir faire peur à d'éventuels... personne intéressée par des croisières, bah c'est super confortable, c'est super gros, c'est super sympa, c'est vachement bien organisé. Les Italiens, ils sont très forts à ce jeu-là. Voilà, pour votre sécurité, bah, y a un certain nombre de personnes qui s'appliquent à cela. Il faut tout simplement s'informer au minimum, respecter les procédures ce qu'on nous demande de faire au moins le premier jour pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis, bah, y a pas de raison que ça se passe pas bien, hein, sachant que malheureusement, encore une fois, sur le Concordia qui a eu des soucis, il devait y avoir entre 3500 et 4000 personnes, et bon, pour la majorité, ça s'est quand même pas trop mal passé. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, et puis je vous conseille de pratiquer, c'est quand même très sympa, voilà. Donc, et bah, écoutez, restez aware et à bientôt.